Hey, salut les petits clous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme prévu, comme je l'ai annoncé sur le Discord, on va s'ouvrir cette Ultra Premium Collection Mew. Formidable boîte en tout cas. Donc on va la déceler tout simplement. Là, je vous présente la carte promo qui est actuellement à King Jouet. Donc c'est le joli Noctaï avec, vous voyez, le logo flamme obsidienne dessus. Donc si vous n'êtes pas allé à King Jouet la chercher, allez-y avant qu'il n'y en ait plus. Parce que du Noctali en carte promo, bah, c'est toujours bien. Donc cette semaine, nous allons nous ouvrir des coffrets Elector. Donc mercredi, nous ouvrirons les deux coffrets qu'il y a dans le décor. Vendredi, nous ouvrirons ce coffret Jirachi V. Donc c'est le coffret de fin d'année des magasins Carrefour. Voilà, donc ça, nous l'ouvrirons donc vendredi avec un coffret, bien sûr, Elector en plus. On aura 8 boosters pour la vidéo de vendredi, je ferai ça. J'aurais vite fait le temps ce week-end, je suis rentré vite fait samedi soir pour faire la vidéo de l'Ultra Premium. Et donc je vais vite tourner aussi des vidéos de la semaine. Donc, le scellage de l'Ultra Premium est très costaud. J'en ai enlevé le plastique autour. Je ne sais pas comment elle se décèle. J'ai vu tout de loot donc sur YouTube, hein, comme les ouvertures. Si vous en avez ouvert quelques-unes, regardez quelques ouvertures, ben, vous avez vu aussi que ce n'est pas fameux fameux. En espérant que bah, la mienne soit belle, mais bon, ça, on peut vraiment pas savoir ce qu'il y a dedans. Donc, donc déjà, je vais pas les sortir, les cartes promo, je vais les laisser comme ça. Je vous les montrerai tout à l'heure hors vidéo. Bah, celle-là, c'est la métallique. Hop, bah, elle est sortie. Hop, on va la sortir, voilà. Ça, c'est la Mew métallique, vous voyez, avec la Pokéball, elle est bien rouge. Donc, ça, c'est de la métal, elle est bien lourde. En tout cas, elle pèse son poids. Donc c'est la même que la carte de la série, bien entendu. Allez, on va vous présenter ça. Et puis, on va déchirer tout. Parce qu'on ne peut pas les garder comme ça dedans. On est obligé de tout déchirer pour les sortir. C'est un peu compliqué. Essayer surtout de ne pas abîmer les cartes pour les sortir. Ce serait déjà pas mal. Hop, hop, et voilà. Donc voilà, la carte Mew promo. Et le Mewtwo à côté, au-dessus des immeubles, il surveille la nuit, en tout cas. En tout cas, celle-là, elle est super belle, la brillance dessus, on voit les reflets du soleil là-haut. Superbe, superbe carte, en tout cas. Allez, on va les laisser là, dans le décor. On verra bien si on a beaucoup de loot dans cette Ultra Premium. En tout cas, il y a déjà 3, 6, donc déjà, il y a 8 boosters là. Les 8 autres boosters qui sont de l'autre côté, 3, 6, 8, oui, on a bien nos 16 boosters. Les 16 boosters sont bien là. J'espère pour une dinguerie. Là, nous avons dans cette petite boîte, comme ce qui était dedans, les jetons. C'est très dur à ouvrir. Et B. Magnifique jeton Mew. Alors, sur la boîte, il y a marqué métallisé. Alors, c'est du plastique, hein. Alors, métallisé, je pense que c'est l'effet paillette qui fait métalliser. Donc, il n'est pas en métal le jeton. Donc, vous voyez les petits dés roses. Bon, c'est plus comme ça. Et une boîte de deck avec pareil, le logo 151 dessus. Hop, on va mettre ça de côté parce que ça commence à être long à les présenter. Le petit tapis, ben, vous voyez, il est déjà dessous, que j'en ai ouvert une tout à l'heure. Le tapis, il est là, donc il est dessous avec le Mew, avec la Pokéball. Très très beau tapis en tout cas. Ouais, c'est celui-là. Ok, donc on est parti. Donc je vous dirai quoi faire bah, pour le concours des 600 abonnés. Donc ça sera sur la vidéo d'aujourd'hui et je vous dirai quoi faire. Bah, à un moment dans la vidéo, bah, je vous dirai juste ce qu'il faut faire pour participer au concours donc, sur cette vidéo. Tout simplement. Donc en espérant tirer quelque chose de beau dans ces boosters, 16 boosters pour faire des dingueries. J'aimerais bien avoir ce Dracaufeu alternatif ou ce Foulard en tout cas, parce que ben, pour l'instant ils m'échappent tous les deux. J'ai que du Florizarre. Le Florizarre alternatif, je l'ai eu au moins 5 fois maintenant. Je l'ai eu encore une fois dans un coffret Elector et même mon fils l'a eu aussi. Allez, je vais vous donner pas mal de codes aussi en tout cas. Allez, c'est parti. Le premier booster est là. Est-ce qu'on va commencer à faire des dingueries dès le premier booster? Ça donnerait quelque chose de bien. Allez, Fossile Nautile, Ramolos, Magmar, Invitation d'Erika, qu'on n'a toujours pas aussi en alternative, Magneton, Nidoqueen, celle-là il nous la manque en reverse,
Tétart, un reverse. Ah, ben petite, ça commence bien, petite AR. Oh, ben petite, ouais, c'est, on aimerait bien avoir que des petites comme ça. Et derrière, il y a un double hit, j'ai l'impression. Oui, un Arbok qu'on a déjà, en tout cas. Bon, mais ça commence bien. Ça commence bien. Allez, je vais sortir. Donc, je vais commencer à pouvoir sortir des sleeves. Parce que vu les ouvertures que j'avais vues sur Internet, c'était pas ça. Au niveau loot, les ultra premium, c'est pas très cool. Voilà, apparemment, ça commence bien. Donc, les 600 abonnés, bien sûr, c'est un pack pour 3 personnes. Enfin, 3 personnes gagnent un pack chacun. Voilà, exactement. Bien précisé. Donc, il y aura 3 personnes qui repartiront avec un pack récompense chacun. Donc l'Arbok X qu'on a aussi qui va partir bien sûr dans les cartes en double. Le Pikachu, de toute façon, on l'avait aussi déjà. Donc c'est une belle carte qu'on a en double. Allez, premier booster de hit. Et eh bien écoutez, ça nous fait 32 hits sur 16 boosters. Écoutez, pourquoi pas, on va prendre. Hein, si on a 2 hits par booster, on va faire l'ultra premium de fou. Pourquoi pas. Allez, c'est parti. Un autre petit code pour vous. Du 151. Profitez-en. Ouvrez-en sur. Sur l'application sur téléphone. Ramolos, Magmar, Hippotramp, Scarabrut, transfert de Léo et pourquoi pas un petit pack avec les starters, son évolution dans un booster. Pourquoi pas le Pikachu, ben, les Reverse qu'on a déjà plusieurs fois eu en double déjà. Piafabec, Reverse et un petit booster vide pour commencer. Ah bon, presque vide, on va dire. Une petite énergie feu avec un joli Spiroli à gauche, là, oui. Un petit Spiroli au milieu. Donc ça, on va pas les compter comme des hits. Je sais pas, on va les mettre là complètement à côté. On les verra juste un petit peu. Voilà, elles brillent avec le reflet de la souris. Allez, troisième booster. Donc avec nos deux premiers hits, on est toujours sur un hit par booster pour l'instant. Hein, deux hits de booster, du coup. Donc c'est ce qui est bien dans les double hits. Mais on espère des dingueries quand même. Allez. J'espère qu'on va avoir des beaux trucs. J'espère que ces Dracaufeu vont arrêter de pas venir là. Il faut qu'ils viennent. Abra. Topiqueur. Soporifique. Ampliflore. Un gros ballon. Allez, va-t-on avoir. Le God Pack avec les trois dans le même booster. Non, nous ne l'aurons pas sur celui-là en tout cas. Spectrum. Alors deux rares Reverse. C'est beau. Et bon, bah, Léviator, allez. Derrière, petite énergie normale. Ah. Il n'y avait que le premier de bien. On retombe un peu dans les travers des Pokémon 151, donc avec un taux de loot assez très. Bon, je vais pas dire très très dur, mais assez dur quand même. Hein. C'est pas fameux le taux de loot. On verra si on a quelque chose de mieux que tout le monde dans les Ultra Premium, mais pour l'instant, je sais pas si on peut dire que ça en prend le chemin, parce qu'on a eu 2 hits dans le premier booster, maintenant on va essayer d'en avoir un peu plus. Soporifique reste et surtout des belles cartes. C'est bien beau d'avoir des hits, mais on veut avoir des belles cartes. Donc déjà, le Pikachu en fait partie. Allez, est-ce qu'on va avoir un God Pack? Allez, on va attendre d'avoir un God Pack. Non. Ça ne sera pas pour ce booster. Ça n'empêche pas d'avoir quelque chose quand même. Hein. Allez. Foulard derrière. Bah oui, il n'y avait qu'à demander. Hein. Oh, un gros doudou. Bon, on l'a déjà. Mais ça fait un hit. Un hit, un gros doudou. Pourquoi pas, on prend, hein, on prend. Troisième hit pour 4 boosters, on a 3 hits, une full art. Même si on les a, on le prend en plus, il est tout beau lui. Tout beau, tout rose. Allez, on va cacher les packs récompenses. On n'a pas besoin de les montrer, vous savez ce que vous allez gagner. De toute façon, ils sont là derrière. Allez, troisième hit, 4 boosters, 3 hits. Allez, on veut une ETB de fou, on veut une dizaine de hits pour 16 boosters là, c'est ce qu'on veut là. Et avec du beau, du lourd. Si possible. Pour l'instant, on n'a pas, à part le Pikachu, on n'a pas de lourd. Hein. Mimitos, on n'a pas de gros hit. Recool. Crisacier. Le petit Ponyta. Lamantine. Allez, le petit Godpack est-il là? Prochaine carte va nous le dire. Ah non, c'est pas encore là. Hein. C'est pas tout de suite. Hein. Il est là. Non.
On n'aura pas le Godpack dans celui-là. Une petite AR, allez, un petit bulle bizarre ou pas, c'est pas Florizarre, c'est sûr. Le petit bulle bizarre. Voilà, nous sortons des. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, même l'énergie qui va avec. Un petit Spiroli en haut. Il n'y en a pas en bas. Non, ça ne prend pas la forme en bas, mais il y en a un en haut. Allez, petite énergie en plus. Bon, les énergies, on les a toutes. On commence à en avoir même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. On en a pas mal. On en a plein en double des énergies. On commence à en avoir un bon tas. Allez, après le Pikachu, un petit bulle bizarre. Pourquoi pas un Salamèche, un Carapuce. Qu'on ait tous les starters dans l'Ultra Premium, pourquoi pas, hein? Puisque les 151, c'est les vedettes, hein? Les starters, c'est un peu les vedettes de cette série. Allez, on est parti. On veut du beau, du lourd. Allez, par contre, déjà deux AR, c'est très bien, hein, quand même. Goupix, Magnéti, Chenipan, Eboli, Tauros, Kadabra. Allez, c'est aussi ce Alakazam là, AR là, qui est monstrueux. Non, c'est pas une AR, c'est une alternative. La Kazam alternative qui est énorme. Allez, qu'est-ce qu'il y a là derrière? Bon, il n'y aura pas grand-chose. En tout cas, un insécateur reverse. Ok, t'es mangé. Pyroli. Et une énergie de base. Alors lui, il a été mangé. Oui, on voit bien là-haut. Il a été mangé par le booster. Il a été bien mangé. Bon, on va le mettre de côté, celui-là. C'est recherché par quelques personnes, ces genres de cartes. Avec des misprints dessus. Bon, celui-là, je sais pas comment il s'appelle avec le bord du booster sur la carte. C'est exactement. Allez. Des codes pour ouvrir des dingueries sur l'application sur le téléphone. Allez. Petit tard, petit cachou. Canardichaud. Voilà, Pikachu, Canardichaud. On reprend les bonnes habitudes. Coquillasse. Papillusion. Le classe. On aurait bien avoir un reverse, ce petit Leclasse. Piste cyclable. Bulle bizarre. Premier reverse. Allez, deuxième. Qu'est-ce qu'il y a là? Dodio en reverse. Va-t-on sortir quelque chose? Non. Monsieur Mime qui nous manque en reverse aussi. On dirait qu'elle a été mangée aussi presque par le booster là-haut. Ça fait bizarre. Hein. On dirait que les cartes, elles ont été. Ouais, peut-être. Dans le temps premium, elles sont comme ça. Combien on a de boosters là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est au 8e, donc on est à la moitié. La moitié d'Ultra Premium arrive, donc on a 4 8. On a sorti 4 8 de l'Ultra Premium. Pourquoi pas? Allez, à la moitié, donc sur le 8e booster qui arrive, là on a déjà. On fait un 8 sur 2 booster. Un 8 sur 2, c'est joli. Hein. Apsico, Nocerapti, Poissirène, Flagados, Machoper, Lamantine, allez, petit Godpack. Pourquoi pas? Non, il veut pas. Le petit Abra qui s'est endormi derrière son petit rocher. Magmar, celui-là, il est bien en reverse. On ne l'avait pas, celle-là. Il nous manquait une reverse. Oh, une petite ex. Le joli petit Mew qu'on avait déjà eu quelque part. Et bien entendu, encore une petite énergie. Allez. Les petites énergies, on les prend. Ça peut manquer toujours à quelqu'un. Puis les joueurs. Elles sont jolies pour jouer aussi. Dans les decks, c'est des jolies énergies. Ça, c'est toujours bien à prendre. Et on a donc le cinquième hit en 8 boosters. Le joli Mew avec toutes ces petites étoiles dessus. Il est trop beau. Allez. 5-8. Hein. Écoutez, 5-8, c'est joli. Ah bah, j'ai tout fait tomber. Voilà, ça c'est fait. Bon, je vais enlever ces packs récompenses. Je vais les mettre comme ça. Comme ça, les cartes, elles vont tenir. On va mettre même celui-là devant. Le bizarre, il est un peu plus joli. Donc, il nous reste la moitié à ouvrir. On en a fait la moitié. Il reste la moitié. Donc, 5-8. 8 boosters, 5-8. On est à un booster sur deux. Hein. Un peu plus, même. Donc, c'est du très, très beau. Maintenant, on aimerait avoir
quelque chose de très lourd dans cet ultra premium. Allez, on aimerait une carte, une très belle carte, tout simplement. Mieux que le Pikachu. Le Pikachu, c'est pas le plus joli qu'on peut avoir. Puis surtout des cartes qu'on peut rajouter à la collection, parce que pour l'instant, il y a des cartes, mais je les ai toutes, celles-là. J'ai l'impression que je passe toujours à côté de celles qui me manquent. Allez. Oh, celle est belle. Je l'avais pas, celle en reverse. Très très beau. Mewtwo Reverse, ça c'est super beau. Oh. Waouh. Celle-là, je l'avais pas. Très 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 beau. Le petit Matt Chopper. Alors qui fait le déménagement ou l'emménagement, on sait pas trop. Je pense qu'ils emménagent là. Donc ils défait les camions. Superbe. Superbe carte. Bon, après derrière, il n'y a rien. Un petit le Vénard en holo qu'on a déjà vu X fois. Celle-là, superbe. Eh bien écoutez, l'ultra premium est très belle. Niveau loot, elle est très belle en tout cas. Parce que déjà, les AR, c'est dur à avoir. On en a déjà eu trois. Et une qu'on n'avait pas. Donc déjà, c'est déjà joli. Je mets tout devant. Hein. Et là, on est à 9 boosters, 6 hits. C'est juste fou. Hein. Pour l'instant, moi, je ne semble pas avoir vu autant de loot dans une ultra premium, en tout cas. En tout cas, celle que nous, on a ouvert tout à l'heure, juste avant que j'ouvre celle-là en vidéo. Il y avait 3 hits dedans, une petite full art Arbok, et puis une ou deux ex, je crois. Il n'y avait même pas une AR, il n'y avait pas grand-chose. Donc franchement, la première ultra premium qu'on a ouvert, elle était très moche. Abra, Topicœur, Arcanin, Tentacruel. Donc c'est pour ça, si on pouvait avoir un petit Godpack en plus dans cette ultra premium, pourquoi pas aller. Ça sera pas dans celui-là en tout cas. Ponyta, Gravalanche, et un petit électrode. Et une énergie tout à fait, ce qu'il y a de plus tout à fait basique. Allez, je vais vous donner les coffrets Elector là. J'ai ouvert des coffrets Elector aussi en off. On s'est fait un petit plaisir. On a eu encore un petit Mew Gold dans les coffrets Elector. On a eu un Mew Gold. On a eu quelques belles cartes. Mais les coffrets Elector, c'est pareil. Il y a des coffrets où il n'y a rien. Des coffrets vides, j'en ai eu un ou deux où il n'y avait rien du tout. Il n'y avait même pas un loot dedans. Et des coffrets, il y en a trois. Donc il faut, c'est comme tout, il faut choper le bon coffret. Donc, allez, Nosferatu, Poissirène, Boustiflore, transfert de Léo, Nosferalto, reste. Ouais, il reste pas grand-chose en tout cas. Pas de Godpack pour celle-là encore. Un petit tas de morve en reverse, tas de morve en reverse. Et petit ossature, holo. Et bien sûr, une petite énergie. Allez, encore une petite énergie. Pourquoi pas? Avec un Spiroli juste à côté là. Celle-là, elle en a qu'un. Un petit Spiroli pour celle-là. Dites-moi, j'ai fini mes slips. Je pensais pas pouvoir avoir autant de loot dans une ultra premium, donc j'ai fini mes sleeves, donc je vais prendre le paquet suivant. Il était déjà ouvert celui-là. Mais je pensais pas avoir autant de hits dans une ultra premium, avec tout ce que j'ai vu comme ouverture. Ça me faisait même un peu peur de les ouvrir. Mais bon, j'ai toujours 16 boosters, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas quelque chose. Hein. 16 boosters, c'est quand même beaucoup. On pouvait avoir des loots, et la preuve, y en a qui restent belles, malgré que les cartes ne sont pas énormes en tout cas, mais il y a du loot. Bulbizarre, on attend la grosse carte de l'ultra premium qui nous fasse dire celle-là, elle était juste incroyable. Il suffit d'une grosse carte. Sablero, Nidorino, allez, tout en haut. Et ben non, maintenant c'est que des A. Aquacouac. Scarabutre, un reverse. Donc ça ne sera pas de Godpack non plus. Oh, le Métamorphe aussi. On y est dans les rares reverse. Celle-là. Elle est pas belle, elle est normale. Et un joli Aquali Holo. Allez, par contre, on ne fait pas une belle série là, je crois. On a ouvert deux boosters où il n'y avait rien. Il nous reste 4 boosters avec celui-là. Allez. Donc on a ouvert 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hits déjà. On avait dit qu'on en voulait 10. Bon, 10, ça faisait beaucoup hein, déjà.
Mais déjà, 6, c'est déjà beaucoup. Si on arrive à en avoir la moitié, 1 sur 2, c'est joli. Si on arrive à avoir déjà 8 hits, ce sera du très très beau. Hein. Goupix, Magnéti, Chenipan. J'espère que vous aurez déjà la chance d'en avoir des ultra premium parce qu'il fallait se lever très tôt. C'est là, dans la sorte de chez Cultura où je me suis levé, où j'y étais devant à 6h moins le quart. J'étais le dixième à attendre mon ultra premium. Donc il fallait être très bonheur devant le magasin pour avoir la chance d'en avoir une. Et donc il fallait se lever. Dardanian, Boltali. On fait une petite série qui va pas là. On fait une petite série là. C'est pas joli. Allez, il va falloir rattraper ça, mon petit Mew. T'es sorti de ta Pokéball là. Toi, t'es sorti devant ta Pokéball là. Si tu veux pas y retourner dans la Pokéball, il va falloir nous sortir quelque chose là. Allez. Que vas-tu nous sortir de ta Pokéball? Allez, petit Mew. Fais-nous plaisir. Sac de nœuds. Smogo. Psychoquack. Abo. Tartare. Recarnage. Ammonita. Pas de Godpack. Crustabri qui est là. Pas de AR, pas d'alternative. Et pas de Full Art à la fin. Ouh, y a, ça sent là. L'ultra premium. La fin de l'ultra premium, vide. Il y avait un côté qui était bien plus riche que l'autre. Allez, ça, c'est encore un coffret Elector. C'est pour vous, c'est cadeau. Allez. Avant-dernier booster de cet ultra premium. Où on a eu déjà pas mal de hits. C'est bien ça, j'ai dit 6, on est toujours à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est toujours à 6 hits. Si on pouvait faire un booster sur deux, ça veut dire que si on pouvait avoir 2 hits dans les deux derniers boosters. Ça serait joli. Evoli. Ça rime avec Evoli, ça vous tombe bien. Tadmor, Aspico, Nosferati, Arcanin, Tentacruel, Ronflex, Ramolos, un reverse. Donc pas de Godpack non plus pour celle-là. Il y a quelque chose là ou pas? Non, ça ne s'accrochait pas. Je m'en dirais, mais ça glissait juste en fait. Ouh, ça fait 3 ou 4 boosters d'affilée où il n'y a rien. Donc, dernier booster. Que va-t-on avoir? Donc, pour ceux qui suivent encore, en tout cas, il faut mettre juste je participe au concours sur la vidéo, tout simplement. Mettez le petit pouce bleu et mettez je participe au concours. Vous mettez juste je participe. Ça suffit tout simplement. Allez, permettez une phrase. Enfin, après, si vous voulez une phrase, faites comme vous voulez. Mais juste je participe, ça me suffit et vous ferez partie donc peut-être des chanceux qui seront tirés au tirage au sort pour gagner le pack récompense. Magnéti, Chenipan. Donc pensez bien, un petit pouce bleu, ça mange pas de pain, un petit commentaire, je participe au tirage des 600 abonnés et donc ça suffit pour être peut-être tiré au sort. En tout cas, il y aura 3 gagnants qui repartiront avec leur booster. Nidoran, va-t'en faire une petite AR la dernière. Aïe, 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 c'est catastrophique. Hein. La fin est catastrophique. La fin est catastrophique. En tout cas, bon, on a eu pas mal de loot dès le départ, mais ça s'est quand même assez vite calmé. Par contre, au niveau énergie, on en a eu quand même 5, je crois. Je crois qu'on a eu 5 énergies au total. Ouais, c'est ça, hein. 4, 5, voilà. On n'a pas eu de double, mais 4-5. En tout cas, je les avais toutes, donc celle-là, on s'en fout un petit peu des petites énergies, vu que c'est assez simple à avoir finalement. Bon, j'ai tout fait tomber. Voilà. Donc, on a eu 6 dans l'Ultra Premium. Bon, c'est un peu mitigé, mais quand même, il y a eu 3 AR, donc c'est quand même pas mal 3 AR, dont le joli, le très beau petit Pikachu. Très très belle carte qui va être recherchée, bien entendu. Pikachu, le Match Hopper qui est très très beau. D'ailleurs, ça fait au moins une carte qu'on aura mis dans le classeur parce que toutes les autres on les a déjà. Donc, celle-là on l'avait pas. Le petit Bulbizarre qui est très très beau en AR. Le Mew, ex, le petit Mew qui est très beau. Bon, Arbok, il est très joli aussi. Très très mis en scène, même si c'est qu'un Arbok. L'illustration est très belle. Et bien entendu, le gros Choupinou là, le gros Roudoudou ex. Très très beau.
Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Laissez un commentaire avec marqué dessus "Je participe" pour participer donc au concours des 600 abonnés pour avoir une chance de gagner un des trois packs récompenses qu'il y a juste là. Et moi, je vous laisse donc en fond avec ce Mew et ce Mewtwo, les deux cartes promo de l'Ultra Premium. Et j'espère que ça vous aura plu, que vous allez faire de belles ouvertures, en tout cas à vous, meilleur que moi, j'espère pour vous en tout cas. En tout cas, j'espère que donc, ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles ouvertures et salut les petits clous.